Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Valentin, protecteur de ceux qui s'aiment, toi qui as vécu et annoncé, au risque de ta vie, le message de paix de l'Évangile, écoute notre prière. Face aux déchirures et aux divisions du monde, donne-nous de toujours nous aimer sans aucun égoïsme pour être au milieu de tous des fidèles témoins de l'amour de Dieu. Accorde-nous de demeurer animés d'un amour et d'une confiance capables de nous faire surmonter les obstacles de l'existence. Nous t'en prions, intercède pour nous auprès de Dieu qui est la source même de tout amour et de toute bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lincoln Alexander se battait pour la justice. Lincoln Alexander est le premier Canadien noir à devenir député en 1968, ministre du cabinet en 1979 et lieutenant-gouverneur en Ontario en 1985. Alexander est né le 21 janvier 1922 à Toronto, en Ontario, et il est mort le 19 octobre 2012 à Hamilton, en Ontario. Lincoln se battait pour la justice et contre le racisme. Un jour, il dit: je tiens à dire que j'accepte la responsabilité de parler au nom de tous ceux qui, dans ce grand pays, se sentent discriminés en raison de leur race, de leur croyance ou de leur couleur de peau. En reconnaissance de ces nombreuses réalisations importantes, le 21 janvier devient la journée Lincoln Alexander. Cette journée a été soulignée partout au Canada depuis 2015. Lincoln Alexander luttait contre le racisme. Qu'on soit jaune, vert, blanc ou noir, on est pareil. Luttons contre le racisme tous ensemble. Pour toi, c'est quoi la Saint-Valentin? Pour moi, la Saint-Valentin, c'est pas juste l'amour amoureuse, mais c'est aussi entre les familles et les amis. Donc, pour moi, la Saint-Valentin, c'est une journée pour apprécier nos proches et les personnes qui nous entourent. Pour moi, la Saint-Valentin est une journée pour sublimer mon amour et mon appréciation pour mon entourage. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une journée pour me réunir avec les gens que j'aime. Pour moi, j'aime la Saint-Valentin parce que du coup, ça te rappelle que tu es aimé et tu reçois des cadeaux, des choses comme ça. Ça te montre que les gens t'apprécient et tout. Moi, je n'apprécie pas nécessairement la Saint-Valentin parce que ça rappelle les gens qui sont seuls. La Saint-Valentin, c'est le jour où on doit partager, offrir des cadeaux à des personnes qu'on aime. Et oui. Pour moi, Saint-Valentin, c'est le fait où on fête l'amitié et l'amour. C'est une journée où tu démontres ton amour pour les gens que tu aimes. Okay. C'est l'opportunité de célébrer l'amour. Okay. C'est une journée où on célèbre nous-mêmes. Oui. C'est une journée pour apprécier les autres. Okay. C'est une journée où on prend l'occasion de souligner l'amour, de déterminer comment important, puis d'accorder de l'importance pour démontrer que l'amour est important dans notre vie. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête pour célébrer tous ceux qui nous sont chers. Et pour moi, la Saint-Valentin, c'est lorsqu'une personne s'exprime leur amour pour ceux autour d'eux, mais non seulement comme d'une façon romantique, mais aussi comme de s'entraider, comme collaborer avec les autres, ou bien donner des compliments, des affaires comme ça. Commençons par un peu d'histoire. À l'origine, la Saint-Valentin est une fête païenne qui a d'abord été célébrée par les Romains de l'Antiquité. Mais ce n'est qu'en l'an 496 qu'elle devient officiellement une fête catholique, une fête permettant de célébrer l'amour de manière universelle. Aimer soi-même est très important, car tu auras de la misère à aimer quelqu'un d'autre si tu ne sais pas comment t'aimer toi-même. Le jour de la Saint-Valentin n'est pas seulement un jour pour célébrer l'amour romantique, mais c'est aussi un jour pour faire preuve d'amour envers nos amis, notre famille, etc. C'est un jour pour apprécier les moments qu'on passe avec eux. La Saint-Valentin est un moment où on montre notre amour envers Dieu en faisant sa volonté et en agissant comme lui il agirait. Aujourd'hui, c'est la journée de Saint-Valentin. Alors, pour célébrer la classe de HSB, on a créé des petites activités. Alors, pour propager l'amour, vous pouvez prendre
de Saint-Valentin qui est sur un carton blanc dans votre section de niveau. Ensuite, vous pouvez décider de rajouter un petit mot personnalisé et vous pouvez le remettre finalement à la personne désirée. Donc, vous allez retrouver ces affiches dans les corridors qui disent pour vous, pour essentiellement vous donner des conseils pour la vie, des conseils pour réduire votre stress, des affirmations positives et même des compliments. Donc, on vous demande juste de ramasser une des cartes afin de lire le message et de le replacer, en espérant que ça vous donne une meilleure journée et de la bonne humeur. Bonne Saint-Valentin, les lasers! Aujourd'hui, pendant la journée, vous allez recevoir les crushs et les chocolats selon l'horaire que vous voyez présentement. Vous pouvez aussi faire le défi des couples célèbres dans vos corridors de niveau. Les élèves auront la chance de se promener dans leurs corridors respectifs afin d'y retrouver des codes QR collés un peu partout qui les amènent vers un Google Form avec une question. Chaque bonne réponse vaudra des points pour les grands jeux. Chacun des codes contiendra un couple célèbre à identifier. Par exemple, la belle et la bête.